Albert Einstein nous avait dit que nous ne pourrions jamais voir le début de l'univers, quelle que soit la qualité de nos télescopes. Mais aujourd'hui, James Webb a vu quelque chose d'inhabituel qui pourrait être proche du Big Bang. Pas d'étoiles ni de galaxies, juste un grand vide. Était-ce le début de tout ? Cette découverte révolutionnaire nous apporte-t-elle les réponses les plus importantes concernant notre existence et les conditions réelles de l'univers primitif ? Albert Einstein avait très probablement raison. Comment pouvons-nous observer un événement qui n'a vraisemblablement émis aucune lumière et qui non seulement s'est déroulé dans l'obscurité la plus complète, mais qui était également si incroyablement énorme que toutes nos normes physiques échouent à ce seul endroit ? Notre univers aurait émergé d'un petit point il y a environ 13,8 milliards d'années. Une singularité qui est sortie d'un état d'équilibre parfait en raison d'une irrégularité tout aussi petite et qui est ensuite devenue ce que nous appelons l'univers aujourd'hui. Ce point unique, à partir duquel notre cosmos a probablement émergé, se trouve encore aujourd'hui dans l'univers, au sein des trous noirs. Là aussi, nos méthodes de mesure échouent, car les forces sont si énormes qu'elles vont vers l'infini. James Webb, le nouveau télescope spatial de la NASA, a maintenant vu un trou noir et un grand vide au début des temps, qui existait peut-être avant que les premières étoiles ne brillent dans le cosmos. Dans l'obscurité la plus totale. Imagine l'univers primitif, peu après le Big Bang, c'est un mélange chaud et dense de particules et de radiations en expansion rapide. À ce stade, il n'y a pas encore de lumière au sens classique du terme, car les photons, les particules de lumière, interagissent constamment avec les protons et les électrons densés libres et ne peuvent pas se déplacer librement dans l'espace. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers se refroidit suffisamment pour permettre la formation des premiers atomes neutres, principalement l'hydrogène et l'hélium. Ce refroidissement permet aux photons de se déplacer librement, créant ainsi le fond diffus cosmologique. Mais l'univers reste sombre, car il n'y a pas encore de source de lumière telle que les étoiles ou des galaxies. La rayonisation commence quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, lorsque les premières étoiles et galaxies se forment. Ces jeunes étoiles chaudes émettent un rayonnement ultraviolet intense qui ionise les atomes d'hydrogène neutres environnants. Ce processus divise les atomes d'hydrogène en protons et en électrons libres, ce qui rend l'univers plus perméable aux rayons ultraviolets et à la lumière visible. La formation des premières étoiles et galaxies est annoncée par la gravité. Sous son influence, les nuages de gaz, en particulier l'hydrogène et l'hélium, commencent à se condenser. Dans ces régions condensées, la pression et la température augmentent à tel point que la fusion nucléaire commence au cœur des premières étoiles. De la lumière est produite et ces étoiles brillent pour la première fois. Avec leur lumière, elles contribuent de manière significative à la rayonisation de l'univers. Pendant cette période, l'univers devient de plus en plus transparent. Le rayonnement des premières étoiles et galaxies est suffisant pour ioniser le brouillard dense d'hydrogène neutre qui remplissait l'univers jusqu'alors. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que l'ensemble du milieu intergalactique soit majoritairement ionisé, marquant la fin de l'âge des ténèbres et le début de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ainsi, même avec les meilleurs télescopes, nous ne pouvions regarder en arrière que jusqu'au moment où l'univers est devenu transparent et où la lumière a pu se répandre librement. Jusqu'à présent, les scientifiques ont supposé que ce moment s'était produit environ 380 000 ans après le Big Bang. James Webb découvre un grand vide. Le télescope spatial James Webb est actuellement le meilleur et le plus puissant des télescopes, et il est conçu pour révéler la vérité sur le début de l'univers. Grâce à ses 16 miroirs en forme de nid d'abeille et à sa technologie infrarouge unique, ce télescope capture les signaux lumineux qui voyagent jusqu'à nous depuis 13,5 milliards d'années. Aujourd'hui, le télescope a déjà découvert de très vieilles galaxies et le nouveau super départ dans le ciel nocturne a fait une autre découverte passionnante. Un trou noir qui existait 500 millions d'années après le Big Bang. Cette découverte bouleverse nos idées sur l'aspect de l'univers primitif et sur les objets qui s'y trouvaient. Ce trou noir est non seulement incroyablement vieux, mais aussi exceptionnellement grand. Avec environ 10 millions de masses solaires, ce n'est pas l'un des plus grands trous noirs connus, mais pour son existence au début des temps, il est exceptionnellement grand. Les trous noirs ne sont rien d'autre que des parcelles de grand vide, de néant. Mais ce n'est pas tout. Ces parcelles de néant ont une propriété particulière, une incroyable gravité qui leur permet d'attirer magiquement d'autres matières.
Tu te demandes peut-être comment le néant peut avoir un poids aussi important. Les scientifiques expliquent cela en disant que les trous noirs prennent du poids en raison de la matière qu'ils aspirent ou que la mystérieuse matière noire joue un rôle ici. Comme les trous noirs, la matière noire est invisible. Nous ne le percevons que parce que son poids déforme l'espace-temps. Les scientifiques ont maintenant observé un autre fait incroyable concernant le trou noir découvert par James Webb. Le trou noir grandit incroyablement vite et les chercheurs n'ont aucune idée de la raison. Si nous mesurons l'âge de ce trou noir d'après les taux de croissance que nous connaissons pour les trous noirs actuels, le trou noir devrait être plus vieux que l'univers lui-même. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Néanmoins, nous ne pouvons pas l'exclure, car certaines théories affirment que certains éléments de notre cosmos auraient déjà existé dans un univers précurseur. Mais il est également possible que les trous noirs, qui existaient dans les premiers temps de l'univers, aient eu des propriétés complètement différentes de ceux que nous avons étudiés à proximité. Notre cosmologie est erronée. Depuis que James Webb nous enchante avec une découverte fascinante après l'autre, les vieilles théories ont été sérieusement ébranlées. Le fait est que quelque chose ne va pas dans notre cosmologie actuelle. D'énormes trous noirs qui se développent très rapidement et des galaxies qui doivent également être presque plus anciennes que l'univers brisent le cadre de presque toutes les théories et calculs précédemment valides sur le Big Bang et le temps qui l'a suivi. Les scientifiques sont confrontés à un défi et nous pourrions bientôt avoir une toute nouvelle version du monde cosmologique. De nouvelles théories émergent et d'anciennes sont remises au goût du jour. La théorie des constantes physiques variables, par exemple, propose que différentes lois physiques s'appliquaient au début de l'univers. Les constantes physiques fondamentales, telles que la constante gravitationnelle ou la constante de structure fine, auraient pu avoir des valeurs complètement différentes dans la phase initiale de l'univers que celles qu'elles ont aujourd'hui. Cela expliquerait pourquoi les galaxies ont pu croître beaucoup plus rapidement et pourquoi les trous noirs sont mystérieusement devenus de plus en plus grands. Une autre approche intéressante que nous aimerions partager avec toi est la théorie de la gravité quantique, qui tente de réunir la théorie générale de la relativité d'Einstein et les principes de la mécanique quantique. La théorie de la relativité décrit les forces et les phénomènes à grande échelle. La gravité en fait également partie. La mécanique quantique traite des phénomènes dans le monde des plus petites particules et des forces et phénomènes qui y agissent. À proximité du Big Bang, lorsque l'univers était extrêmement petit et dense, les lois de la gravité quantique ont pu dominer. Cependant, les scientifiques ont largement basé la théorie du Big Bang et les calculs sur le développement précoce de l'univers sur la physique des plus grands phénomènes d'Einstein. Il est donc possible qu'une erreur se soit glissée ici et James Webb apporte aujourd'hui la preuve. En somme, les scientifiques sont actuellement confrontés à une énigme qu'ils doivent résoudre. La théorie du Big Bang a vu le jour dans les années 1920 lorsque l'astronome et prêtre belge Georges Lemaître a émis l'hypothèse que l'univers provenait d'un seul point primordial comprimé et qu'il s'était ensuite étendu dans un état extrêmement dense et chaud. Lemaître a d'abord appelé cela l'hypothèse de l'atome primordial. L'idée du Big Bang a été renforcée par les observations de l'astronome américain Edwin Hubble. À la fin des années 1920, Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignaient de la Terre et que plus elles étaient éloignées, plus elles se déplaçaient rapidement. Les scientifiques y ont vu la preuve que l'univers est réellement en expansion. Au fil du temps, d'autres théories sont venues compléter ces deux hypothèses de base et c'est ainsi qu'est née notre vision cosmologique du monde. Une grande partie de ces théories était basée sur des observations, d'autres sur des calculs, et aujourd'hui, nous voyons des choses qui ne correspondent tout simplement plus à ces modèles et à ces schémas. Quand les premiers trous noirs sont-ils apparus? Remontons encore dans le temps, cette fois en regardant comment les premiers trous noirs ont été créés. Ces mystérieux phénomènes cosmiques sont non seulement fascinants, mais aussi essentiels pour comprendre les débuts de l'univers. La formation des premiers trous noirs est un objet que les astronomes et les astrophysiciens étudient aussi intensivement que la formation des étoiles et des galaxies. Les premières étoiles se sont formées quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang, à une époque presque inimaginablement lointaine et mystérieuse. Les scientifiques appellent ces étoiles massives les étoiles de la population 3. Vraisemblablement, ces étoiles n'ont pas vécu très longtemps et sont mortes dans d'énormes explosions de supernovas. Elles ont peut-être laissé derrière elles les premiers trous noirs de l'univers. Une autre théorie affirme que les trous noirs se sont formés avant les premières étoiles. Les disques de poussière en rotation, qui auraient pu devenir des étoiles, peuvent s'effondrer directement dans un trou noir dans certaines circonstances.
Les trous noirs auraient donc existé avant les premières étoiles. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Il existe des trous noirs supermassifs au début des temps qui sont des millions à des milliards de fois plus lourds que notre Soleil. Comment ont-ils pu devenir si massifs si rapidement dans les premiers jours de l'univers ? Une théorie veut qu'ils se soient formés à partir de trous noirs plus petits qui dévoraient constamment de la matière et fusionnaient avec d'autres trous noirs. Mais il aurait alors fallu que des étoiles et de la matière tombent dans ces trous noirs. Dans l'ensemble, les résultats du télescope spatial James Webb constituent un grand mystère. James Webb peut regarder plus profondément dans l'univers que n'importe quel télescope auparavant, jusqu'aux premières galaxies et aux quasars alimentés par des trous noirs supermassifs. Le télescope est comme une machine à remonter le temps et nous pouvons voir la lumière d'objets situés à des milliards d'années dans le passé. Nous regardons donc directement les secrets de l'univers primitif et ce que nous voyons ressemble à un miracle. Personne ne s'attendait à de telles choses. C'est comme si un monde complètement étranger était apparu devant les astronomes, parlant une langue que personne ne comprend actuellement. Mais ces choses sont réelles, elles sont là, et nous devons trouver des réponses maintenant. Il faudra peut-être des décennies aux chercheurs pour trouver les erreurs dans leurs formules, et nous apprendrons peut-être alors que nous vivons dans un univers beaucoup plus ancien où qu'il n'y a jamais eu de commencement. Abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience les prochaines vidéos.